Pour leur 100e anniversaire, le SCO d'Angers a réalisé une bonne saison en Ligue 1 en décrochant une 11e place pour leur 5e saison consécutive dans l'élite. Avec un effectif mélangeant expérience et jeunesse, les SCOistes ont largement pu assurer leur objectif initial qui était le maintien. Avec une bonne volonté, le Sporting Club de l'Ouest a décroché 2 points sur les 8 confrontations contre le top 5. Une performance plutôt satisfaisante pour un club de cette envergure. Les Noirs et Blancs ont été bien gérés cette saison avec un entraîneur Stéphane Moulin au club depuis 2011. Une grande longévité qui a notamment fait de lui le technicien en activité, restant le plus longtemps sur un banc d'un club européen. Un coach qui a connu la montée du club en première division 21 ans après ce dernier exploit, lors de la saison 2014-2015, et qui désormais vise le maintien chaque année. Cependant, le chouchou angevin Olivier Piqueux, mis à pied par Saïd Chabal, le président du club, a mis un coup aux supporters ainsi qu'aux joueurs, très attaché à celui qui avait ramené les certains Nicolas Pépé, Sofiane Boufal ou encore Reine Adélaïde au club. Désormais, ce sera Sébastien Larski, l'ex-responsable de la cellule de recrutement de Dijon, qui tentera de le remplacer au poste de directeur sportif. Celui-ci pourra apporter toute son expérience en respectant l'ADN du club et avec pourquoi pas des objectifs européens. Une saison 2020-2021 qui s'annonce donc palpitante et qui nous réserve quelques surprises. Quelle équipe pour la saison prochaine ? Avec un système en 4-1-4-1 très souvent utilisé la saison dernière par Stéphane Moulin, le SCO d'Angers sera amené à changer de dispositif la saison prochaine. Suite aux derniers matchs amicaux et au probable départ de Santa Maria qui jouait le rôle de sentinelle la saison dernière, une nouvelle composition semble se dessiner pour l'équipe angevine. En effet, un 4-3-3 semble être la meilleure option pour cette nouvelle saison. On commence directement au poste de gardien de but où les Noirs et Blancs ont investi sur Paul Bernard Denis, recruté pour 7,5 millions d'euros hors bonus en provenance des Girondins de Bordeaux. Un énorme transfert qui en fait de lui la plus grosse recrue de l'histoire du club. Une pression supplémentaire pour un gardien à fort potentiel, ayant déjà une expérience en Ligue 1 et qui avait déjà réalisé de bonnes prestations avec Nîmes. Cette arrivée sera aux dépens de Ludovic Butel, titulaire toute la saison dernière, et qui restera au club en tant que numéro 2, afin d'épauler de par son expérience l'international espoir français. La charnière centrale, elle, ne devrait pas beaucoup évoluer. Le pilier de l'équipe, Ismaël Traoré, sera bien là aux côtés de son acolyte Romain Thomas. Le capitaine de l'équipe angevine Traoré, lié jusqu'en juin 2021 au club, sera sans aucun doute titulaire la saison prochaine. Une défense expérimentée, donc avec un Romain Thomas positionné en axe gauche, qui apportera son aide pour guider les jeunes. Le natif de Landerneau a fait vibrer le stade Raymond Coppa à de nombreuses reprises, puisqu'il a inscrit au total 13 buts. Un bilan plutôt satisfaisant pour un défenseur central. Du haut de ses 1m93, Romain Thomas sera également très utile sur les coups de pied arrêtés, un point fort du SCO. Sur les côtés, en commençant par la gauche, Souleymane Doumbia, la nouvelle recrue du SCO achetée cet été, après un prêt d'une saison en provenance de Rennes, viendra remplacer Aït Nouri, actuellement sur le départ. Il avait déclaré récemment qu'il était venu pour être numéro 1 et qu'il jouera en tant que titulaire. Une situation préoccupante pour Aït Nouri puisque le jeune international espoir français est courtisé par de grands cadors européens. Ensuite, sur la droite, nous avons opté pour Vincent Manceau, chouchou des Angevins puisqu'il est au club depuis sa jeunesse en 1995. Un élément fondamental des SCOistes puisqu'il a joué 329 matchs. Considéré comme l'un des joueurs les plus fidèles à son club en France, avec une période pro s'étalant de 2008 à aujourd'hui, le poste de latéral droit risque d'être partagé, puisque Abdoulaye Bamba lui aussi pourrait prétendre à ce poste la saison prochaine. L'international ivoirien a montré de belles choses avec son équipe cette saison, de bonnes prestations qui pourraient donc convaincre le coach angevin. En milieu central, Angelo Fulgini. Celui-ci n'a pas pu réaliser de belles choses la saison passée puisqu'il s'est blessé durant la pré-saison et qu'il a dû être éloigné des terrains durant plusieurs mois. Habitué à des sélections en équipe de France jeune et en espoir, le jeune joueur français saura projeter l'équipe vers l'avant comme le faisait Jeff Reine-Adélaïde. A gauche, nous pouvons compter sur l'expérimenté de 33 ans Thomas Mangani qui a récemment prolongé son contrat avec le club SCOiste. Un joueur ayant un rôle très important dans l'équipe puisque sa patte gauche lui permet de faire des ravages sur les coups de pied arrêtés. Le dernier milieu de terrain devrait être un des derniers arrivants, Antonin Beaubichon, arrivé de Nîmes et qui a pu bénéficier d'un temps de jeu agréable avec 15 titularisations. Ses centres et ses passes ont fait la différence, tout comme ses puissantes frappes lointaines dans certains matchs. Même si les têtes ne sont pas son point fort, nous pouvons compter sur lui pour mettre de l'intensité, notamment avec sa vitesse. Le club angevin qui a voulu le conserver aura besoin de lui à ce poste la saison prochaine. Passons directement en attaque, où à droite Sada Tioub pourra faire parler ses qualités de dribble et de passe qui pourront énormément servir à l'équipe. L'international sénégalais fait sans doute partie des joueurs qui seront à surveiller la saison prochaine. A gauche, Mathias Pereira-Lage. Cette nouvelle recrue arrivée en provenance de Clermont a montré de belles choses cette saison en Ligue 1. En effet, il possède une grosse condition physique qui lui permet de répéter les efforts pendant 90 minutes et de récupérer pas mal de ballons. Très à l'aise avec ses deux pieds et son sang-froid devant le but, le natif de Clermont s'est fait connaître aux yeux de l'élite et il aura bien évidemment sa place dans le 11 et entamera sa deuxième saison sous cette tunique noire et blanche. Et enfin, dans l'axe, l'international marocain Rachid Alioui a fait une première saison assez satisfaisante avec le SCO d'Angers.
Arrivé en provenance des Crocos, il partagera le poste de titulaire avec Stéphane Bauken, au club depuis 2018, qui lui a délivré 18 réalisations depuis son arrivée au club. Le buteur camerounais voudra faire fort cette saison avec des objectifs revus à la hausse. De plus, certains joueurs que nous n'annonçons pas comme titulaires auront également leur carte à jouer. Nous pensons notamment à la jeune recrue Jali Mouadib, étincelant durant les matchs de préparation, ainsi que le jeune milieu défensif Zinedine Hould Khaled et l'expérimenté Pierrick Capel. Et vous, si vous étiez entraîneur du SCO d'Angers, qui signeriez-vous? Quelle équipe aligneriez-vous?